Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à vous. Vous devriez déjà être en week-end de votre côté. Moi, ça vient de commencer. C'est pas férié aujourd'hui ici, donc excusez-moi, j'ai un petit peu plus de lumière. Salut Kelmondrist, comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? T'as pu avancer un peu sur Zelda ou je crois que t'as pas livé hier? T'étais avant-hier? Tu m'as dit que tu devais avoir une journée assez chargée aujourd'hui, comment ça s'est passé? Donc, écoutez, pour moi, on est enfin week-end, semaine très courte, 2 jours de taf. Écoute, moi, c'est demain, j'en aurai. Ce sera demain, ce sera ce week-end. J'en aurai 3, j'ai posé mon jeudi et vendredi. Alors, je sais pas si je l'arriverai du coup vendredi, mais en tout cas je serai off jeudi, vendredi. Peut-être que je ferai peut-être un petit truc jeudi, mais le dimanche, je serai de retour. Donc ça y est, je suis en week-end. J'ai lancé le live, mais j'hésite. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce qu'on continue Zelda ou est-ce qu'on se lance sur le Lego Sonic? Il y a partir live parce que je suis rentré tard. Ok, j'en ai chargé. Ah ok, ouais, tu viens tout juste de rentrer. Écoute, moi, tu vois, on a lancé. Cette semaine était quand même pas mal chargée. Je me suis pris un soir tard à faire un petit peu de menu configuration. Tu le verras après si on fait du Zelda. Mais j'ai changé un angle caméra sur lequel j'ai passé ici. J'ai fait quelques petites bidouilles, quelques petites améliorations sur mon stream. Semblerait que Kick soit réglé, mais j'arrive plus à me connecter à YouTube. Donc, c'est le choix, on va voir si Kick peut permettre quoi. Mais quelques petites extensions. Comme tu veux, tout me va. Et ben ça m'en dit pas plus. Ça m'en dit pas plus. Parce que alors, deux choses, j'ai fait. J'ai inauguré, j'ai changé mon tapis de souris. On l'aperçoit juste là. Changer mon tapis de souris parce que j'espère y voir un peu mieux quand je fais du Lego avec un tapis de souris un peu plus clair. Et donc changer l'angle de caméra. Bon, ça sert à juste. Je me suis dit, tiens, j'ai un câble un peu plus long, je peux changer ma caméra d'endroit. Allez, on va avancer Zelda dans ce cas-là. Donc ça c'est branché. Il faut que je branche le boîtier. J'ai mis à jour ma Recalbox également cette semaine, donc on pourra reprendre un peu de Recalbox. Un peu de rétro, j'aimerais faire des lives arcade, j'ai fait pas mal de téléchargements arcade, parce que je prépare ma Recalbox pour l'arrivée de septembre. Alors. Il y a la Switch avant qui est branchée. Il faut que je fasse du temple, et oui, normalement on devrait. Attends, la Switch elle est là, la manette elle est là. Hop. On va voir si la manette se détecte toute seule. Elle m'a été détectée. Donc si on switch. Alors attends. On va mettre à jour. On va mettre à jour Twitch, sinon je vais me faire engueuler. Alors. On va faire le temple de l'eau. On va faire le temple de l'eau. Alors, on va mettre à jour Twitch. Non. Je suis pas sur le bon Twitch. On va allumer Twitch sur l'autre. Faut que je finisse de télécharger les ROM, que je fasse du tri. Ah ouais, pareil. Et pareil, tu vois, on a tous les deux les mêmes projets. On se suit de près. Je vais virer cette souris là. On a dit Twitch. On va mettre à jour. On va mettre à jour le truc. Hop. Si je me mets sur la chaîne, ce sera mieux. Couper le son, j'ai dit. Mettre à jour. Et on va faire Tears of the Kingdom. Alors, est-ce que tu as remarqué sur YouTube, ça me choque. La catégorie Tears of the Kingdom n'existe pas. C'est marqué la suite de Breath of the Wild. Ils ont toujours pas fait la mise à jour du truc. Ok, donc ça, c'est à jour. Alors, mon problème sur Kick, ça se voit pas trop. Je suis en train de regarder mon replay là. J'ai dû baisser la qualité de mon framerate pour que ça arrête de saccader sur Kick. Alors, Kick. Alors, Kick.
Près de beau, tu tableau de bord. Je me tais. Je me coupe la chic. Alors, Zelda, Tears. Ouais, c'est ce que je me suis dit, voilà, on va essayer de pousser un peu kick. Même si c'est pas ouf non plus. Zelda. Zelda. Ok, enregistré. Et j'ai aussi fait le plein d'actions possibles via le chat et via les points de chaîne. Et j'en ai mis une tonne, ça devrait... vous devriez trouver... je suis à votre pied, on va mettre ma bouteille de là, on va pousser de là, j'ai un peu planqué les câbles, j'ai pas fait du super management de câbles, mais bon, on a essayé de faire un truc un peu propre. Donc, si je switch, alors la switch elle est éteinte, on rebranche la manette et... Alors, on est là, donc changement d'angle de caméra, un peu plus axé sur la gauche, coucou, et ça vous donne en fait une vue différente sur... sur mon bureau. C'est vrai que c'est un angle que vous voyez pas. En fait, vous aviez juste l'angle de ce côté-là avec la bande qui est toujours là. Et là, ça donne une chose un peu différente. Je me suis dit que ça changeait un peu. Ça changeait un peu. Voilà. Je trouve ça bien. C'était un peu plus près de toi, Seigneur. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. En plus, ça donne l'impression que je regarde la... ça donne l'impression que je regarde ce à quoi je joue. Alors, pop. Et... Ah là, tu vois. Que je baisse ça derrière les stats. Ouais, voilà. Et ha. Et il faut que je... Bah écoute, cool. Activé. La switch devrait s'afficher. Que la switch s'affiche. Voilà. Ok. Il faut que je ferme ça du coup. Et que j'ouvre en fenêtré. Et ouais, toujours. En fait, j'étais là-dessus. Je voulais voir combien j'avais d'heures sur Zelda Tears of the Kingdom. Donc, je suis à plus de 65 heures. Pour 70 sanctuaires. C'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas dégueu, je me dis. J'en ai discuté avec Terry tout à l'heure, un peu plus tôt, on s'est appelé. Et lui est à 150 heures. Bon, il y a plus de sanctuaires que moi, mais il a 150 heures. Ouais. Je me suis pris un nouveau masque. Et juste en fait fait la mission. Ah, la caméra s'est déconnectée. Non, c'est bon, elle est revenue. Ok. J'ai juste fait la mission de la madame qui est malade. Et on va aller au temple de l'eau. On est toujours ok, tout fonctionne. Ok, et on va couper la musique. Ben on est au même niveau du coup, t'as 65 heures, je suis à 65 heures. Pareil. Ou alors est-ce que c'était une citation, j'en suis qu'à 65 heures. Parce que c'est vrai que mine de rien, enfin, quand je dis, j'ai deux de mes potes en sont, ouais, que je pense au double. Donc on en était là. Bonjour monsieur. Chut, silence. Le prince est concentré sur sa tâche. Maître Link, vous êtes venu voir le prince Sidon.
Dans ce cas, y a pas de problème. Je suis sûr que son Altesse sera ravie de voir. Coucou Sidon. Ah, il a un gros sifflet. Je ne rêve pas, c'est vraiment toi. Ils sont classe les auras. Tu m'as tellement manqué, Lick. Je suis que 65 heures, mais j'aurais cru. Ah ouais, tu vois, c'est. Ah, ça fait un bout de temps, Link. Quand j'ai entendu que t'avais disparu, je me suis fait du sang d'encre. Un poisson qui se fait du sang d'encre, c'est plutôt les poulpes, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Tout ça dans le sous-sol du château d'Hyrule? Et quand tu t'es réveillé, tu étais seul sur une île flottante. Petit dessert. Le ciel. Je me demande si ce n'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. L'espèce de mousse au chocolat qui tombe derrière là, Jean-Michel? À vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une de ces îles volantes. Je me demande... J'ai demandé à un érudit d'inspecter les fragments de ruines, étudier les textes anciens en portant des choses célestes. Je pense que quelqu'un est en train de nous chier dessus. En ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase et je suis donc en quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde, la source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour purifier la vase dont elle est souillée, le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici. À part Link, si tu penses que la disparition de son Altesse Zelda peut avoir un lien avec les îles flottantes et les ruines, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Jitato, c'est dur à dire, Jitato. Peut-être pourrait-il t'informer et te donner de utiles informations. Je vais transformer le texte. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Tu sais où me trouver maintenant. Alors, reviens voir quand tu veux. Je suis occupé, me fais pas chier, grosso modo. Mais sinon, quoi de neuf J'ai eu le tournage, j'ai eu le résultat d'un tournage que j'ai fait là il y a quelques semaines, un tournage en anglais. Qui était pas fou, mais le lac Toto. Lac d'Alaka. C'était mon premier tournage en anglais, donc j'étais plutôt content. Et le lac Toto. Attends, il faut que je retourne voir Jean-Michel ou pas? Il exagère. Ah non, il s'est barré Et si on monte là-haut? Et donc j'ai eu mon premier tournage en anglais, donc il faut que je l'ajoute à ma bande démo pour pouvoir communiquer dessus, même si c'était pas dingue, j'ai eu 3 répliques. Et chose très rigolote, mes parents ont fait le test ADN MyHeritage. C'est très drôle. C'est très drôle, donc j'ai pu savoir quelles sont mes origines ADN. Et je suis moitié. Voilà, je suis moitié. Moitié tout en fait, moitié un peu tout ce que tu veux, parce que je crois que le mec quand il a fait l'ADN, il s'amusait à cocher. Voilà, tiens, il est moitié ça, t'as un peu de ça, il y a un petit peu de ça, et un peu de sucre en poudre. Ah ouais, j'ai... Ben, alors attends. Que je te retrouve ça. Il mon téléphone, il est là. Je trouve le mail de ma mère. C'est un bordel. C'est un bordel, mon ADN. Je crois que c'est ça.
que c'est celui-là? C'est pas ça. C'est non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais. Alors, du côté de ma maman, je suis à 77%.3 grec et italien du sud. Voilà. Donc, italien du sud, c'est Malte, tout ça. 18% italien et 4,7% moyen-oriental. Et du côté de mon papa, c'est là que ça devient le bordel. Du côté de mon papa, je suis italien 53%, ibère, Espagne, Alicante et Andalousie, et Espagne en général à 24%, scandinave à 15%, ça se voit tout de suite, hein, la Scandinavie se reflète en moi. Voilà, je... Ikea, tout ça, le Gouda, Dave, voilà. Et ouest-nord européen à 6,9%, donc Europe centrale, germanique, tout ça. Angleterre et Irlande. voilà. Voilà, Viking. Je crois que les Vikings. Il est possible que les Vikings soient passés quelque part, par là, lors d'une soirée bien arrosée, mais ils sont pas restés bien longtemps. J'ai glissé. Alors, le lac Toto. Où qu'il est, le lac Toto? Donc, ça m'a bien fait rire. Attends, Torgol. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Alors, ça, c'est pas un lac. Ça, c'est pas des lacs, c'est des mares. Lac Ouamé. Mardocto. Là, la caméra s'est encore coupée. Elle s'est reconnectée. Hop, ok, c'est bon. Elle se revient. Ok, dans le domaine Zora. Lac Torgol, lac des Beignes. M'a dit que c'était au nord le lac Toto pourtant. Lac Ruto, Grand Pont, étang de Lars. Mon Ruto, la Huto. Grotte du Suc, gorge de la Molo. Oui, oui, c'est au nord, le nord, c'est au nord, oui, c'est au nord, le nord. Ouais, mais tu vois, je suis en train de regarder au nord et je le vois pas. Ça a pas de nom. Ça, là, je suis vers les Gorons. Je pense qu'il y a de côté, merde. Sud, la Cacala, c'est pas ça. Donc moi j'étais là, donc il m'a dit au nord. Mardocto. Ah, c'est jaune sur deux. Ah oui, parce qu'il est boueux. Attends. Rakin, Nakala, Akala. Ah, c'est bon, je l'ai. Il est là. C'est bon, je l'ai vu. Cet échec. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Ouais, c'est bon, dire. On va dans la bonne direction. Voilà.
cette fois-ci. On le loupe pas. On va tout droit. Ah, j'ai vu mon premier Linael par là. J'ai fait... Salut, à la prochaine. Il m'arrive. Hein, bah, petit champignon. Un petit côté sadomaso comme ça, Link. Hop. Je vais pas dans la bonne direction. Ah putain, il pleut. C'est quoi, on va... attends, lac Toto. Je vais être trop bas, on va se re-téléporter. Ça, on sera en bien haut. Ouais, je suis content de cette nouvelle langue, ça change un peu. Je trouve que ça rapproche, ça donne plus de... on est plus près. Mais même si je pourrais jouer comme ça. Bon, on est bien comme ça. On est bien sur le côté. En plus, vous voyez ma superbe caisse de plutonium. Et le PC du boulot qui tourne d'ailleurs. Alors. Ouais. Oh. Ah, ça te... c'est pas mal les trophées. Ouais, c'est pour corriger une erreur que je me suis téléporté. Et en plus, ça m'a rajouté du boulot. Ok. Hop. Je suis dans la bonne direction. Je suis dans la bonne direction. J'ai du mal à me repérer. Des fois, j'ai l'impression d'aller trop vite ou. Ah, mais serre-toi. Ça s'appelle Tangia. Ça s'appelle Tangia, c'est gratos. Et. Tu as une limite en gratuit pour les utilisateurs de 50 actions par point de chaîne et en illimité en actions par bit. J'essaie d'en mettre, bah j'en ai mis 50 en actions par point de chaîne, mais sinon vous en mettre le maximum. Et on est au lac Toto. Alors attends, on va virer le repère, sinon je vais pas penser. Et on voit Jean-Michel le Zora juste là. Ah, c'est pas le bon. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe par la tête de ces savants. C'est si dur que ça d'être un peu prudent. Il s'est foutu où? Oh, oups. Ne dites pas que j'avais entendu ce que je viens de dire, hein, juste maintenant. Je ne critiquais personne. Hein. Ah, la pouca. Jitato trempe ses pattes dans un truc dangereux en prétextant que c'est pour ses recherches sur les vestiges. Comme je suis chargé de protection, ça me rend nerveuse, donc je ronchonnais un peu. Juste pour me détendre. Les vestiges. Ah. Vous voyez, espèce de trou là-bas? Ok, là-dedans. La falaise s'est affaissée suite au cataclysme et a révélé des vestiges anciens. Le prince Sidon est alors ordonné que de ses recherches soient menées à la zone. Ok, l'autre il est bloqué à tous les coups. L'érudit Jitato s'est plongé avec passion dans l'étude de ses vestiges et son domaine de spécialité. Son domaine de spécialité, alors vous pensez? Ok, hop, on va prendre un petit peu d'eau parce qu'il y en a eu bloqué. Ok. Ah, en effet. Il y avait un truc là. On n'avait pas bloqué. Eh oui, fatigué. Ce style grave, cette écriture pareille à des vagues, à des tempêtes, oui, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Zora Larousse. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de
de la passerelle d'eau. Hélas, le texte est incomplet. Oh, mais c'est ce cher Link. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Figure-toi que je viens de faire une découverte historique. Ce que tu vois là n'est rien de moins qu'une antique pierre de mémoire Zora, dont les inscriptions semblent mentionner le ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à le déchiffrer entièrement, mais je ne sais pas comment. La gravure cachée. La gravure cassée, alors attends. Ça, il n'y a rien à soulever là. Ok. Quel dommage. On va voir s'il y a un truc derrière. Non, c'est derrière, c'est y a rien. Non. Oh, attends, va. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? Là-haut, il y a de la... Ah, ben voilà. Petite vue d'ensemble. Hop. Oh, ça marche tout aussi bien, là, je l'ai. Ok. Viens me parler à toi. Hop là. Hop. Non. Et ben voilà. Ça alors, la gravure. Que tes nageoires soient louées. Pas comme ça. Oh, l'inscription est complète et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, je regarde autour de... Ah, pardon. Debout sur le sol du poisson céleste, je regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Par mes nageoires, c'est fabuleux. Cette inscription semble indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme que nous ont concocté nos facétieux ancêtres, car ce texte est bien mystérieux. Puisqu'il est question d'un gage royal, mieux vaudrait sans doute demander conseil à Sa Majesté Dorefa. Seul, Dorefa seul. Ah oui, parce que c'est une seule, j'imagine. Je pense qu'il devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la vase. Donc il faut que j'aille. Alors, donne. Donc il faut que je retourne au domaine Zora, j'imagine, pour aller voir le roi. Allez, c'est parti. Je vais dans la bonne direction. Je pourrais carrément tourner par là en fait. Ah, tu bosses sur tes configurations un peu, toi? T'es en vacances ou pas encore? Il y a un caillou qui vient de tomber. Une île céleste de là-haut. Ah,
Ah, vacances 2 août ce soir, ok. Ah bah en fait on est juste en haut. On est juste en haut. Est-ce que le roi est par là? C'est vrai qu'il n'y a que les enfants à chaque fois qui restent, les parents sont... Enfin tous les adultes sont partis bosser, j'ai l'impression. Paf, pouf, coup de poing royal et pof, pat. Et le roi d'Orefa est imbattable. Ah oh non, j'ai été battu. Je suis la vase toute visqueuse. Aïe, je ne peux rien faire, fichu monstre gluant. Je n'ai pas le choix, il faut vite que j'aille dans ma cachette secrète du côté de... Hey, qu'est-ce que tu fais ici toi? C'est pour jouer au roi d'Orefa, désolé, mais on est déjà assez nombreux. 3 au 27. Ouais, bah c'est trop bien. Alors, on va jouer ailleurs, s'il te plaît. On serait. Ok, bon. Les enfants ont bien l'air de bien s'amuser dans la salle du trône avec leur jeu secret. Je crois qu'ils jouent à imiter le roi d'Orefa. Qu'ils se disent... Hop, oui, ok. Oui, mais ils disent que c'est secret et ne laissent pas s'approcher les adultes. Ils prétendent que sa majesté d'Orefa et en personne leur a demandé de ne rien dire. Alors forcément, j'aimerais bien en savoir plus. Secret concernant le roi d'Orefa, intéressant sûrement sur Altesidon. Si seulement je pouvais entendre ce qu'ils disent... J'aimerais un bon prétexte pour... ce que je veux dire, c'est que je pourrais aller informer le prince Sidon. Hop. Seulement quand j'essaie d'approcher discrètement les enfants... C'est chiant la caméra, ouais, c'est bon, elle est revenue. Hop, c'est coupé ça. Hop. Approcher discrètement les enfants finissent toujours par me chasser. Même Telago s'occupait du ménage de la salle des trônes et s'est retrouvé relégué dans un coin. Petit exclu, je prévois même si c'est pas légal de diffuser un film par soir. Oh, faut que je trouve un moyen d'écouter ce qu'ils disent sans me faire voir. Ouais, comment écouter ce qu'ils disent sans se faire voir? Ah, et si je... Non, mais... Ok, alors si je me mets là. Ah, j'ai réussi, mais j'ai de la vase partout. Ah. Votre Majesté d'Orefa, vite, nageoire vive, enfin, fraîche, il faut aller dans votre cachette secrète. Hey, concentre-toi un peu, on joue sérieusement là. J'arrive pas à faire mérite et les monstres en même temps, c'est trop dur. Hey, dites, en fait, je voulais savoir, vous croyez qu'elle est comment la cachette secrète du roi d'Orefa? Moi je sais où c'est, j'ai entendu le roi en parler une fois. C'était quoi déjà, la cache de la chute de cristal ou quelque chose comme ça? Une chute de cristal, j'imagine que c'est un endroit où il y a de l'eau claire. Mais ces derniers temps, presque toute l'eau autour du domaine est salie par la vase. Ah, il paraît qu'il y a encore de l'eau claire qui coule quelque part entre le monde de la foudre et le domaine. Et même qu'il y ait une entrée secrète derrière la cascade. Ok, c'est trop bien. Waouh, une entrée secrète cachée derrière la cascade d'eau claire, la chance. T'imagines, hey, mais... Mérite a dit qu'il fallait en parler à personne. C'est bon, t'inquiète pas, il y a personne qui écoute.
Allez, on continue. Bof. Si on jouait plutôt à autre chose. Eh ben, arrivez-vous. Hop. Hop, bonjour. Je peux en dire? Ok, hop. Coucou. Alors, je crois qu'il y a... Ok, tu lui donnes pas l'info? Ok, elle dit pareil. Ah, bon. Le monde de la foudre, bah ça doit être par là. Eh. Là, est-ce qu'elle est claire cette cascade? On va y aller petit à petit, hein. Ok, bon. Là, il y a pas de grotte. Donc j'en conclus que tu bouges pas pendant les vacances. Après ouais, j'imagine que avec les travaux tout ça, c'est un peu plus compliqué. Je peux pas. Hop, ah. Ouais. Non mais je comprends. Nous on a. Hier on avait rendez-vous à la banque, on va. Justement on avait rendez-vous pour pouvoir. Attends, il faudrait que je me mette là-haut pour descendre en faire mesure, c'est plus simple. Deuxième téléportation. Pour pouvoir. Pouvoir faire une épargne pour pouvoir acheter. Il y a des épargnes ici pour les premiers achats. Ouais ouais, mais après c'est bien. Alors. Donc il faut que j'aille par là. Porte-toi, hop. Alors, le domaine Zora, il est là. Et on a les différentes chutes ici. Alors, pas de grotte à l'horizon. Est-ce que toi tu dis quelque chose? Ah. Tu sais quoi, il paraît que mes enfants jouent à imiter la sagesse de Refa. Mais n'importe les poissons, ils arrêtent net, ok. Oh, il y a du brouillard. C'est pas là pour l'instant. Il y a un caillou vide là. Enfin, un caillou nulle part. Est-ce que ça serait pas un. Non, c'est pas. Et y a pas d'entrée non plus. Ok. Est-ce qu'il y a une autre chute par là? Il est pied dans la boue. Une autre chute par ici. Ah.
Ok, pas de cachette ici non plus. Ah. Et le caillou est mouillé. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une... Hop. Il y a une grotte secrète, je l'ai trouvée. Avec une deuxième chute. Est-ce qu'on est au bon endroit? Parce que bon là y a rien. On va essayer de monter. Merde. Attends. Est-ce que je peux... Ouais. Alors bonne chose d'ailleurs, les extensions que tu prends, je les vois maintenant dans Twitch chat et Twitch chat peut se docker dans OBS, donc c'est plutôt cool. Ok, on a envie de la cascade. Il y a des escaliers. Et le roi. Oh, le roi est pas en forme. Ah, qui va là? Bon, mais c'est toi, Link. Comment as-tu fait pour trouver cet endroit? Qu'est-ce que tu m'alliances encore? Attends, mérite. Tu ne peux pas recevoir Link comme ça, voyons. Comment veux-tu qu'il comprenne? De l'eau a coulé dans nos cascades depuis la terre visite. Depuis ta dernière visite. J'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zelda. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, oh, par mes nageoires. C'est donc comme cela que les choses se sont passées. Ainsi, son Altesse Zelda aurait disparu subitement. Menteur! J'ai vu la princesse Zelda de mes propres yeux juste après les événements qui sont survenus au château d'Hyrule. Calme-toi, Meris. Link est sincère, je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami d'Azora. Il l'a toujours été. Il doit avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zelda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici, dans ma cache des chutes de cristal. Cela s'est passé alors que le château d'Hyrule venait de s'élever dans les airs. Des îles volantes étaient apparues dans le ciel, d'où s'étaient mis à tomber des fragments de ruines et des flots de vases. Merith et moi avions quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qu'il se passait. C'est alors que Zelda nous est apparue, descendant du ciel en tournoyant, accompagnée d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avisant qu'elle a lancé un monstre sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre, mais elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Quand nous avons relevé les yeux, son Altesse Zelda avait disparu. Salut papy, salut les raiders, bienvenue, installez-vous. Qu'allez-vous? On est sur Zelda, on est en train de se faire accuser de tout ce que tu veux. Coucou papy, salut les copains, installez-vous, là on continue Zelda, on fera du Lego dimanche. Donc là on a décidé, on continue Zelda, on va essayer de faire le temple de l'eau. Quand nous avons relevé les yeux, son Altesse Zelda avait disparu. S'il s'ébruite que la princesse a perdu la raison et blessé sa majesté, cela provoquera une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous avons jugé préférable que sa majesté demeure cachée ici. Pourquoi le chat est en pause? Là, je te fais un petit SO. Est-ce que je peux te faire une petite mise en avant? Mettre en avant. Hop. Par contre, je suis en avant sur ma gueule. Je le baisse un peu.
Si j'en crois ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château d'Hyrule. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine Zora et imiter à ce monstre de nous attaquer. C'est à n'y rien comprendre, mais dans toute cette confusion, une chose nous est apparue clairement, à nous autres Zora. Tout cela est venu du ciel. Le cataclysme, la vase, le monstre, et même la princesse Zelda. Et si tout vient du ciel, il y a fort à parier que la réponse que nous cherchons s'y trouve également. Sidon a demandé à l'érudit Gitato de mener l'enquête et verser dans l'étude des vestiges antiques. J'ai du mal, hein. La fin de la semaine. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Mais j'en viens. Ah bon? Tu as déjà parlé à Gitato? Le gage royal mentionné sur la gravure que tu as restaurée, je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. L'appellation gage royal nous parvient du rituel ancien dont on ne sait plus de nos jours en quoi il consistait. Quoi qu'il en soit, mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie. Prends-en donc quelques-unes. Si tu as besoin de plus, reviens me voir et je t'en donnerai autant qu'il faudra. C'est sympa. Écaille royale x5. Cette écaille spécialisée au reflet changeant selon les intentions a orné le front de tous les souverains. Le front de tous les souverains est jadis utilisé pour l'ordre de la cérémonie du rituel. En tout état de cause, mes nageoires ont pris de l'âge et moi avec. Autrefois, j'aurais esquivé l'assaut de ce monstre sans effort. Peut-être sera-t-il bientôt pour moi de laisser le trône à Sidon. Votre Majesté. Ma foi, nous reparlerons de tout cela quand le problème de la vase aura été réglé. Va informer Sidon de la restauration et transmets-lui que je t'ai dit au sujet des écailles royales. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi et de faire ce qu'il faut faire. Allez, bon, prends téléportation, sinon il faut que je remonte. Je remonte la cascade et c'est relou. Téléportation. Zip. Bon, comment ça va les loups? Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Nous voilà, et Sidon est toujours là. En train de bidouiller l'eau. Ouf, la bombe. Allez, petit aller-retour, salut. C'était. Ah, salut. Ah, Link. Ah, tu as du nouveau concernant son atlas Zelda. Quoi? Mon père s'est fait attaquer par un monstre. Et son Altesse Zelda lui aurait fait ordonner d'attaquer. C'est absurde. Pour le moment, contentons-nous de croire que ce qu'il t'a raconté, sans nous inquiéter de ce qu'il faut. Link, merci d'être venu me prévenir. Son Altesse Zelda, le monstre, la vase, décidément, tout nous ramène au ciel, toi et moi. Nous savons aussi que le gage royal, la gravure désigne en fait une écaille de mon père. Il ne reste plus qu'à éclaircir cette histoire de poissons célestes et de gouttes visibles parmi les rochers flottants. Il faut se mettre debout sur le sol du poisson céleste. Poisson céleste, c'est un dragon? Il s'agit peut-être d'un endroit bien précis. Je suis sûr que si on trouve ce fameux poisson céleste, on comprendra ce qu'il faut. Hop, ce qu'est cette goutte. Reviens me voir si tu trouves quoi que ce soit à son sujet. Poisson céleste. C'est pas un truc par ici, là. On va essayer d'aller jeter un coup d'œil ici. La réponse est dans le ciel, il l'a dit. Ah ouais, du coup, c'est ça que je disais. En fait, avec Twitch chat, je peux voir que les viewers qui sont en mute, donc je vois que t'es en mute. T'inquiète, pas de soucis. C'est ça, no audio. Pratique. C'est pratique, au moins je sais que bah, si je parle, tu m'entends pas. Ce que je te dis, tu ne l'entends pas.
Attends, hop, on va enlever ça. Ok. Oh. Oh. Ah, l'île est plus haute. L'île est plus haute. On va essayer, est-ce que si je passe par là? Trop bas. Mais comment monter? Attends, ben, hop, est-ce qu'il y a une tour par là? Ben, une tour par là. C'est là la tour. Allez. Tu me dis si je vais par la bonne direction, hein, Calmandris. Si je fais first route. Ok. Alors. J'ai une première élite qui est juste là, et sinon il y a les... Hop, ouh, le ping. Faut aller en haut, ça c'est sûr, ouais. Alors, une première élite qui est juste là, sinon je vais aller vers les îles qui sont là-bas. Ah, sur celle-là, j'ai que dalle. Ouais, il semble rien y avoir, après à part trois fleurs. Ça s'en prend toujours, ça. Si on jamais on a les mains, on pourra leur mettre une petite petite fessée. Chiant ta caméra, pourquoi elle se déconnecte à chaque fois là? Ah, y a un Korogu par là. Mais j'ai pas la tenue Zora. Ok. Je n'ai pas la tenue Zora. Donc il faut que je trouve la tenue Zora. Est-ce que je peux l'acheter? Est-ce qu'il y a un magasin par là? Le magasin, ça. Ok. Alors attends, on va aller voir. De toute façon, là, c'est un hôtel. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à vendre là. Rien à vendre. Ah, la copie du prince. Ouais. Ok. C'était elle, ouais. Encore une chose. Ah, cette vase est vraiment coriace. J'espère que nos patients seront bientôt rétablis. Dame Yona, Maître Link est là pour vous. Tiens. Oh, tu es venu.
Quand je t'ai dit que je pourrais t'aider, je voulais parler de rendre un objet qui t'appartient, l'armure Zora. Nous la conservons au domaine et j'ai essayé de réparer les dégâts qu'elle a subis lors de la précédente bataille. À vrai dire, elle est presque en état d'être utilisée. Il ne manque plus qu'une chose. J'aurais besoin des écailles d'un Naruana ancien pour finir la restauration. Je n'en ai pas vu depuis longtemps et je dois avouer que je ne sais pas où vivent ces créatures. J'utilise leur écaille dans la confection de nos armures, donc Nelto, le forgeron, en sait peut-être plus à leur sujet. Je suis désolé de devoir te demander cela alors que c'est moi qui suis censé réparer ton armure, mais si tu trouves un Naruana ancien, est-ce que tu pourrais me rapporter s'il te plaît? Avec l'armure Zora, tu pourras remonter les cascades comme si tu étais un des nôtres. Je suis sûr que ça te sera utile lors... Hop, essaye de ne pas oublier. Allez, on retourne de l'autre côté pour aller voir Jean-Michel Forgeron. C'était là-haut sur la montagne. Non, c'était là-bas. Hey, et toi-même? C'était par là, Jean-Michel. Besoin-moi, je suis là. Est-ce que c'est lui, Forgeron? Chante. Ah, elle chante. Ok. On s'en fout, je vais voir le forgeron qui se trouve juste ici. Voilà. C'est toi. Tu as besoin de quelque chose? Un arbre ancien? Oh. Aussi, ça, c'est ça que tu cherches. On m'a dit que des spécimens avaient été aperçus récemment près de la statue de Mipha au sommet du mont Foudre. Autrefois, on utilisait ces poissons rares pour réparer l'armure Zora, mais on en voit presque plus ces derniers temps. Faut savoir pourquoi. Et il réapparaît précisément à cet endroit, le cataclysme n'y est sans doute pas pour rien. Ok, allez, hop, on repart là. Les gens aller-retour. Alors ça serait droit, je le ferais sans téléportation, mais alors c'est comme ça chaque fois. Alors, la statue de Mipha, elle est là-haut, c'est ça? Alors, ah, j'en ai peut-être déjà alors. J'en ai peut-être déjà. Hop là, alors. Perche. Non, j'avais pas. Bon, on va aller sur la statue. Je dois en avoir sur la statue. Ils ont dit qu'il y en avait par là. Ok. Et il m'en faut combien? J'en ai 3. On va essayer de pas se noyer. Faire le tour, est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense que j'ai tout, il n'y a pas d'autres qui pop. Il n'y en a pas d'autres. Bon. Mauvais côté. Ça me dit qu'il faut des écailles, mais il m'a pas dit combien de poissons elle voulait, donc je pense qu'elle en voulait qu'un. Alors.
Vous ne voyez pas, j'ai quelques petites coupures avec la caméra, je sais pas pourquoi, mais on verra pourquoi. Si on le sait, si je baisse ça. Ok, on va voir si ça marche mieux comme ça. Allez. Oups là. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc là ? Non, c'est juste une lampe. Alors. Bonsoir Link, qu'est-ce que tu as trouvé à Narwana Ancien ? Oui, j'en ai même trois. Il ne me manque que ça pour achever la restauration de l'armure Zora. Mais peut-être que tu souhaites me demander autre chose. Tiens, poisson céleste. Ah, Narwana Ancien. Avec ça, je vais pouvoir te donner sa touche la finale à ton armure. Passe tout de suite à l'atelier pour m'en... Je passe tout de suite à l'atelier m'en occuper. Donne-moi juste un instant. Allez, go à l'atelier. Et voilà. Ok. Oh, ma tenue veut rien dire. Oui, oui. J'ai terminé. Armure Zora. Cette armure a réalisé par le regretté par la princesse Zora. La regrettée princesse Zora pour l'élu de son cœur permet de remonter les cascades. Là, elle est à toi. Ah. Je suis contente d'avoir réussi à la réparer. C'est un bon objet précieux. Et puis, avec l'armure Zora, tu pourras remonter les cascades comme si tu étais l'un des nôtres. Personne ne peut remonter les chutes de vase, bien sûr. Ok. En revanche, les cascades d'eau, même un peu souillées, devraient poser... Ok, ok. Allez. Bon, mais on enfile la tenue Zora. Oui. Oui. Ok. Ça va, ça va. Comme ça. On va remettre le casque de démon, j'aime bien. Alors. Hop. C'est par là le dos. Là, une cascade, ok. Il fait automatiquement maintenant ? On monte les cascades ? Ok. Ok, hop. Ah, il faut que je sois en bas sinon. Ok. Voilà. Ça c'est pratique. Un petit champi. Et petit canard. Là-bas, il y a une chute d'eau. Là-bas, il y a une chute d'eau. De toute façon, c'est la seule qui est proche. Ouais, c'est la seule qui est proche. Ok. Hop.
Ok, allez, on grimpe. Hop. Ok, là il y a un caillou. Je vais me permettre de monter un peu plus. Est-ce qu'il va monter assez haut? Pas plus haut. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire sur cette île? Ok, je suis sur l'île du poisson, il est en forme de poisson, ok. On va voir si on arrive à... Ah ouais, bonne idée. Je dois en avoir une en plus. Ah, c'est Mario Sunshine le truc. Ok, on va prendre. Hop. Quelques flèches, c'est toujours bon à prendre. Ah, j'ai pas nettoyé là. Je nettoie toute l'île pour avoir quelque chose. Bon. Je vais pas nettoyer ça. Ah, ça se trouve dégueulasse au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, ok. Il est propre là.
faut que je fasse cracher de l'eau par là. Alors. Salut le chat. Salut le chat. Mais tu frottes pas au micro, c'est pas bien. Attends, je regarde la lap. Piste du ciel. Où je tire une flèche. Alors attends, parmi les rochers flottants, toi qui verras une goutte d'eau. Une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage. Oh là là. Alors, est-ce que je vois une goutte quelque part? Je vois une goutte. Et là, je tire une flèche sur laquelle je vais y foutre une écaille royale. Viens là-dedans. Et c'est comme ça qu'ont disparu les dinosaures. Mouche. Eh oui, dans le sud. C'est pas faux. Allez, maintenant. Ah ! Ok. Maintenant, on va là où ça brille. Alors, allons là où ça brille. Et je vais mourir. Je vais mourir. Bon. Est-ce qu'il y a une mise à jour de truc? Bon, faut que je retourne voir Jean-Michel.
Ok, bon, faut que j'aille voir Sidon. Il est où Sidon? Alors. Est-ce que... Ok, je suis su. Yeah. Ok. Yona, qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Je suis... Oui, je suis venu vous parler. Cela fait un moment que je réfléchis et il faut qu'on parle. Oh. Link. Oh. Link, qu'est-ce qui t'amène? Tu as découvert quelque chose? Oh. Tu as résolu l'énigme de la gravure antique et ça fait apparaître un pilier de lumière. Si le texte de la gravure dit vrai, peut-être que la lumière indique l'endroit où on doit s'ouvrir la voie vers le ciel. Oh. Fantastique, Link. C'est une grande découverte. Oh. Sinon, je pense que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de vos propres yeux. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il faut que vous puissiez retrouver votre liberté de ce mouvement. Avec Link à votre côté, je suis sûr que vous réussirez à résoudre cette crise. Mmh. Oui, peut-être, mais... Oh. Mais... Qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça? C'est que... Oh. Hein? Like de vase. Comme like virgin, mais like de vase. Un monstre couvert de vase. Peut-être que c'est celui qui a attaqué mon père. Oui. Sidon, ne vous inquiétez pas pour l'eau. Nous pouvons nous en charger. Entendu. Je compte sur vous. Link, aide-moi à écraser cette saleté. Bon, on va lui mettre une flèche d'eau dans les fesses. Il utilise la flèche pour se, la vase pour se protéger. Il a l'air coriace, mais fais appel à moi au bon moment, je suis sûr qu'on peut y arriver. Je peux utiliser mon pouvoir pour t'envelopper d'eau et te protéger d'une attaque. Ok, c'est un bouclier. En brandissant ton arme, tu devrais aussi pouvoir projeter de l'eau qui entoure sur ton ennemi. Ok. Ok. Oh ben. Si on ne s'approche pas, il va finir par nous avoir. Fais attention. Ok. Et comment je fais pour faire appel à toi? Ok. Aïe, ah, il m'a buté. J'aurais dû me protéger. Ouais. Désolé. Manque. Et après, il faudrait que j'aille faire pipi en parlant d'eau. Tout cette eau, moi. Ouais, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de cœur. On va peut-être faire le plein, manger un bout. Attends. Oui. Ouais. Oui. Oh. 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 Mmh. Allez. Oh. Allez, on passe la cinématique. Allez. Viens. Si
on ne s'approche pas, il va finir par nous avoir. Fais attention! Ok, allez. On va l'écrabouiller! Ah merde. Je suis prêt. Joli, Link. Ouais. Allez. Allez, voilà. Ça marche. Allez, c'est bon. Campagne. Et en plus, il me lâche un coffre, tu vois. Ce monstre de vase n'a eu ce qu'il méritait. Bouh. Personne n'est blessé? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Non, tout va bien. Oh, quel soulagement. Si quelque chose vous était arrivé, il y en a, je... Quoi qu'il en soit, vous auriez mieux de rentrer au domaine. D'autres monstres pourraient apparaître à tout moment. Merci donc, mais je pense à ce que nous a dit Link tout à l'heure. Il a dit... Je crois que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de plus près. Peut-être que c'est la clé qui nous permettra de comprendre d'où vient la vase et où est passée la princesse Zelda. Oui. Laisse-nous cet endroit et mener l'enquête sur le terrain, Sidon. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. Bien sûr, j'aimerais pouvoir me rendre sur place avec Link. Mais je ne peux pas vous laisser dans un endroit pareil, c'est trop dangereux. Mais vous venez à peine de nous confier ce poste. C'est une solution temporaire. Nous en sortirons très bien. Mais... Sidon. Cela me touche beaucoup que vous inquiétez pour moi. Mais vous êtes prince des auras. Tôt ou tard, vous serez appelé à régner sur le domaine. Vos actes ne doivent pas vous être dictés par la peur de perdre vos proches. Vous devez surmonter votre passé et avancer sans crainte. Mais je... Allez. C'est assez. Cela ne vous ressemble pas. Allons. Blague vaseuse. Ah, c'est trop bien, c'est trop fait. Je m'occupe de cet endroit. Pour votre part, regardez devant vous et avancez en écoutant votre cœur, comme vous l'avez toujours fait. Comme j'ai toujours fait. Tout va bien se passer, je reste là pour vous. Vous ne me perdrez pas. Vous avez raison. J'ai toujours peur de perdre ce qui m'est cher. Ha ! C'est d'accord, Yona. Je vous fais confiance. Occupez-vous de cet endroit. Écoute, Link. En route, en direction du pilier de lumière. Rejoins-moi là-bas. On dirait que Sidon a repris du poil de la bête ou de l'écaille du poisson. Il ne se déplace jamais pardonné d'avoir pu me protéger sa sœur adorée. Et son inquiétude pour moi l'empêche d'agir. Mais il a choisi de me faire confiance. C'est le Sidon que j'ai toujours connu. Rejoins-le là-bas, tout est bruit et tout est sauvage. Là-bas. Link, je t'en prie, prends soin de Sidon. Allez, on va faire juste ouvrir le coffre et on va aller faire pipi. Hop. Ok, allez. Juste, je vous laisse une seconde, le temps de faire un pissou et on revient dans une seconde.
Et me revoilà. Alors, on peut reprendre. Donc. Bien que j'aille. J'étais allé trop vite en besogne la dernière fois. Et il est au niveau de la petite passerelle. Plotch, plotch. Voilà. C'est parti. L'arrivée au temple est quand même plus longue. Hein. Oh. Voilà donc la clé qui nous mènera jusqu'au ciel. Ah, il entend une voix, non? Qu'est-ce que c'était que ça? Peu importe. Ce n'est pas le moment de demander bien où peut venir cette lumière. Je monte sur son dos, non? Je crois que j'ai une idée. Non, parce que c'est un possé. C'est un poisson, c'est un Poséidon. Classe. Sympa. C'est bien ce que je pensais. J'aperçois quelque chose qui pourrait être une entrée au fond. Je me charge d'ouvrir le passage. J'ouvre le passage. Oui. C'est dégueulasse, je suis désolé. Les temps sont très faciles, mais avant d'y aller, tu as toute une histoire. Ouais, c'est qui découvre leur pouvoir, le pouvoir de sage. C'est plutôt sympa, ouais. Non, c'est plutôt sympa, ouais. J'aime bien le côté de ces donjons avec l'esthétique, etc. Mais ça change un peu, c'est plutôt cool. Alors, on est où ? Un coffre. Allez, grimpe là-dessus. Alors, on va foutre ça là-bas. Allez, ouais. La nonchalance est plus rare. Ah, quoique. Faut remplacer celui-là. Alors. Toujours servir. Alors. Ok. Est-ce que si je le fais péter avec une bombe, ça? Ok. Ok. Alors.
y a un truc qui brille là-haut. Le temple Zora antique. Et non pas en toc. Là j'ai tous les souvenirs du temple de l'eau de Ocarina of Time qui me reviennent en tête. Tout ce trauma. Attends, d'ailleurs un moyen de l'ouvrir sans... sans les bombes. Est-ce que tu veux bien monter? Merci. Non, je suis vraiment obligé d'utiliser une bombe. Aïe. Ouais. Ah oui, par là. C'est d'où je viens et j'imagine que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. On va voir si j'ai quelque chose au bout là. Je viens, j'imagine. C'est tout humide. Est-ce que je glisse? Là, je glisse. Ah. Monter d'un coup, je pense. Il faut que j'aille libérer cet endroit. Ok. Ah oui, en fait, je peux péter. Je peux le péter avec un caillou, je suis con. Pas gaspiller des bombes. Ah.
Les cailloux qui ont mis la puce à l'oreille. Oh, il est joli celui-là. Oh, mais il est pas puissant, il est tout pourri. Tant pis. Allez, allez, grimpe. Allez, grimpe, voilà, merci. Et le dernier mécanisme. On se croirait dans Cusco. Ah merde. Que je fasse un méga pont là pour Allez, grimpe. Ok. Ok. Alors, je peux le pousser un peu. Non, ça bouge pas. Ok. Euh...
Ok. Alors on va faire un bigas. Bigas pont. On va même prendre celle-là là. On va. Ok. C'est con, je lâche pas plus vite en tant que Zorora, avec l'armure Zora. Ok. Ok. Hop. Ok, c'est pas par là. Mais bon, j'ai un coffre. Japon, je vais voir ailleurs. Alors...
Ok, un coffre. Assez haut. Non. Oula. Alors, salut Jonah, comment tu vas? Est-ce que ça se voit que je galère? Arrête de glisser. Ça va tenir là. Ouais, ça va tenir. Écoute, ça va. Écoute, on se fait en week-end. On profite de deux petites heures après le boulot pour jouer à Zelda et on devrait être pas trop mal. Yes! Coucou! Hey! Pas mal, non? Ah, tiens! D'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va passer vite fait en just chatting quelques minutes et puis. On va monter au temple, hein, quand même. Oh, ça fait tout bouger. Oui, il y a tout qui bouge. Un bel petit boulot. C'est une grosse chute. Attention, chute. Chute.
Eh ben voilà, on peut monter. Oh. C'est une cascade. Une cascade tombée du ciel. Tombée du ciel. Nanananana. Oh. Quel heureux présage. Qu'est-ce qui s'est passé, Link? C'est toi qui as fait ça? Non. Non. Je vois, tu as activé un mystérieux mécanisme dans les ruines. Et la cascade est apparue. Ah, j'ai compris. Aux yeux d'un Zora, les cascades sont les passages reliant l'amont et l'aval. La voilà notre passerelle d'eau. Pour monter jusqu'au ciel, il nous suffit de remonter cette cascade. Link, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. À part un méga sourire. J'entends des voix. Est-ce que je serai l'élu? Non, c'est une tumeur. Voilà, c'est... Viens. Viens, je t'emmène autant. Viens à moi. Viens à moi. Encore cette voix. Comme si quelqu'un m'appelait. Ne va pas vers la lumière. Je me demande bien ce que ça peut être. Peu importe, cette passerelle s'offre à nous. J'entends des voix. Peu importe, allons-y. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Avec l'armure Zora, tu peux remonter cette cascade sans problème. Toi aussi, allons-y, Link. Hihi. Allez, Link, tu es un saumon. Remonte cette cascade pour te masturber sur des œufs et mourir. Ouh, y a plus la pesanteur. Les 4 jurés The Voice. Ouais, je chante très très mal. Je chante très très mal. Je saute. Quel est ce mystérieux mécanisme? C'est une bombe, je dirais, non? Ok. Ah, je sais, attends. Ah. Ok. Oh, attends, qu'est-ce qu'on peut virer là? Ça j'aime bien ça, mais on va dégager cette épée toute dégueulasse. Alors j'adore ces passages quand tu es trop dans le ciel, il y a un manque d'apesanteur. Quand tu sautes, ça fait juste... Ouais. Enfin, juste, ouais, c'est ça, il faut pas juste pas se foutre en dehors. Ouais. C'est l'inertie, elle est géniale. Ouais. Quel est cet endroit? Je me sens tout léger. C'est de la Jamaïque, mec. Quoi qu'il en soit, tâchons de rester concentrés. Il faut absolument trouver la source de la vase. Séparons-nous, Link. Je vais cliquer un sanctuaire là-haut.
Alors. Ah oui. On est en train de nous chier dessus. Ah bah attends. On va monter par là, on va péter un peu du golem. Est-ce que mon épée s'est rechargée? Oui. Ah, le game over de merde. Le game over tout pourri. Là, tu peux le mettre. Il faut que je bouffe un peu là. Il faut que je bouffe un bout. Ah, mais j'ai plus de batterie. Je crois que ça sert au-delà de partir, hein, mais. Que ça charge. Ouais, ça charge. Oui. Alors. Non, déjà. Ouais, j'ai 3 cœurs, on bouffe un peu quand même. Tu t'envoles, tu t'envoles. Voilà. Il y a encore des golems là-bas. Comme il bouge les bras et tout. Ah, attends, attends, il m'a fait mal quand même. Il prend mal, hein. Tu voulais quoi? Y'a un problème? Y'a un problème, le sergent? Attends, y'a un radis là. Le radis. Non, radis max. Le radis max. Ah, si on met un truc jusque là, c'est qu'il faut y aller jusque là, non? Y'a un coffre, un truc comme ça. Ouais, y'a un coffre. Ah. Oh putain! Ah! Non! Aïe! Oh putain! Aïe! Ça peut être sympa, non? Ok.
surpuissant. Hop. J'ai pas envie de lui lâcher mon... Ah, mais je veux la... Ok. Ok. Yellow. Yellow sous-marine. Ok. Bah truc plus cool, merci. Ok. Il y a un truc par là. Il y a rien. Oui, le chat. Aïe, oh les griffes. Ah. Et tu t'es bloqué avec les griffes. Attends. Attends, tu t'es bloqué avec les griffes. Eh oui, mais me regarde pas comme ça. Voilà. Utiliser ça pour nettoyer la boue. Voilà, utiliser la boue pour quelque chose qui sert quelque chose. Quelque chose qui sert quelque chose. Bonjour la France. Alors, toujours dépanné. Chat, il y avait quelque chose, toi. Elle va jusqu'au sanctuaire et qu'on va s'arrêter là. C'est de prendre de la hauteur. Hop, 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 hop. Voilà. Oui mon chat, tu veux venir? Il est trop bien ce Zelda. Allez le chat. Non, pas sûr. Me nique pas ma chemise, c'est gentil le chat. Il est très très bien. Ça c'est un croupion de chat. C'est l'heure de la patoune, semblerait-il. Arrête de prendre les griffes dans ton truc. Eh oui, mais tu veux pas que tu t'accroches là? Oh là là, mais je te jure. Qu'est-ce que t'es pas fine. Et là, t'as ton cul sur mon clavier. Mets pas ton cul sur mon clavier, merci. Cordialement. Ok. Hop. Aïe. Qu'est-ce que tu cherches?
Ah, ok. Alors, il est où ce temple? Non, pas tant que ça. Enfin, j'ai fait toute l'histoire. Enfin, j'ai fait le scénario. Comment dire? J'ai fait tout le scénario qui te raconte ce qui s'est passé avant. Et il y a quoi? Il y a 5 sanctuaires. Là, je suis en train de faire le deuxième. Donc, non, je suis pas très loin, quoi. Oh oh. Caché. Ah, cool. Ping. Tu vois, et j'ai encore tout ça à découvrir dans les mondes souterrains. Ouais, c'est ça file envie de pisser tout ça tout. Manger les champignons. Allez. Comme je disais, c'est Super Mario Sunshine. C'est Link le nettoyeur. Récupère-le, récupère-le. Et on mange des radis. Je crois que c'est la fin de l'histoire pour ce truc là. Bon, en même temps j'en ai un autre, attends, on va récupérer un là. On avait quelques-uns. Ouais, ça va, 14 je peux. Merde. Ok. Il y a un truc là-haut, il y a un coffre forcément. Ok. Merci. Faire juste ça, ça doit être une bénédiction à tous les coups, comme ça on peut s'arrêter.
C'est une bénédiction, hein. Hein, c'est une bénédiction. Allez. Shit, c'est pas une bénédiction. Ok. Ok. Allez, ouvre, ouvre-toi, ouvre-toi. Prendre le coffre sur la gueule, ça va. Ah non, hop. Ok. Non. Ok. Ah je fais n'importe quoi. Alors. Voilà ce qu'il fallait faire. Tout simplement. Putain. Bon. Alors on disait donc, on va aller vers là-bas, voilà, plus simple. Voilà. Ok. Ah, je sais. C'est bon, j'ai compris. Hop. Ok. Allez, viens. Malinx. Yeah. Atterrissage avec précision. Bon, allez, c'est bon. On s'arrête là. Et le chat qui s'est couché là trop chaud sur la Switch. Non, ça va comme à la maison le chat. Ouais, Malinx, le lynx. Et on va pouvoir gagner un cœur ou une endurance en plus. Merci pour l'énergie. Ok, alors ça sauvegarde, on va faire une petite sauvegarde en plus.
parce que jamais faire confiance à la sauvegarde. Sauvegarde. Voilà. Et on reprendra dimanche. Voilà. Changement d'angle. Hop là. Donc on reprendra dimanche et on fera également du Lego. Je pense qu'on fera une heure Zelda, une heure Lego, quelque chose comme ça. Ça sera donc dimanche, chez moi, entre 10h et midi, quelque chose comme vous, comme ça. Donc chez vous, ce sera entre 16 et 18h, si je ne m'abuse. J'espère que vous avez passé un bon moment. La caméra qui... Il faudrait que je le mette à jour si ça peut régler mon problème, parce qu'elle se déconnecte, qu'elle se reconnecte. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, qu'est-ce que quoi ? Est-ce que quelqu'un est en stream ? Est-ce que quelqu'un veut streamer là ? Est-ce que je raid un copain à nous ? Je vais voir un peu qui est en stream là. Voir un peu. C'était pas mal ces deux petites heures là. Oh, c'était chouette, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'était cool. Ben merci. Je fais mes petites améliorations là pour le stream. Ben bonne nuit à toi, Calandris. J'espère que vous avez passé un bon jour férié. Je vous déteste, j'ai travaillé. J'ai bossé, moi je vous déteste. Alors sur Twitch, qui c'est qui est en live ? Naphtaline, Sundar. Attends, là c'est chez Sundar. Sundar est sur Street of Rage 2, pas mal ça. Ok. C'est ça. Oui, je sais, je suis en live. Gérer le stream. Ok. Par le raid. Allez hop, go chez Sundar. Mais prends soin de toi bien. Prends soin de toi également, puis. N'oubliez pas. Non, je connais pas Zenda. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette. Ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs. Je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture. Je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action. Ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais ? Pourquoi est-ce que tu te droguerais ?